Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur de sa présence ce matin. Amen. We thank the Lord for his presence here this morning. Amen. Qu'il est bon d'être dans la maison du Seigneur. Isn't it wonderful to be in the house of the Lord? Y a-t-il la joie dans la maison du Seigneur? Is there any joy in the house of the Lord? Oh, ben, j'ai pas l'impression là. Y a-t-il la joie dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Let's honor the Lord our God even at home. Est-ce qu'on peut louer Jésus? Wonderful Jesus. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le grand roi? Est-ce qu'on peut célébrer le ressuscité? Celui qui vit au siècle des siècles. Élevons le nom de Jésus. Bénissons le nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Thank you, Lord. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Lord, we bless Seigneur, nous voulons te dire quelle grâce. We thank you for your grace. Quelle grâce d'être dans ta maison Amazing ce matin. Amazing grace to be in your house. Quelle grâce, Seigneur, de venir au milieu de ton peuple. To be with your people. Quelle grâce de pouvoir entendre ta parole. What grace to hear your word. Oh Seigneur, je me souviens qu'il était écrit à un moment donné que un jour viendrait. It is written that one day. Où le peuple sera affamé de ta parole et ne la trouvera pas. The people will be hungry for the word but won't find the word. Seigneur, nous savons que ce temps a eu lieu par le passé. And we know that existed in the past. Et nous savons que ce temps reviendra dans le And futur. And we do know that it'll happen again in the future. Un temps où on aura soif de ta parole et on ne saura pas où A elle est. A time will come where people will be hungry for your word but will not know where to find it. Alors Seigneur, nous voulons vraiment valoriser ces temps. Aujourd'hui, nous pouvons entendre ta parole. So we cherish the times today we have together to hear your word. Et nous voulons la garder dans notre cœur afin qu'elle habite pleinement en nous. And we want to keep these times and keep this word precious in our hearts. Seigneur, qu'elle nous transforme. So that the word would transform us. Qu'elle fasse de nous les personnes que tu as toujours voulu qu'elle soit. And make us the people you meant for us to be. Pour accomplir, Seigneur, notre destinée. To accomplish our destiny. Pour impacter cette société, Seigneur, qui est dans les ténèbres. And to impact a society that's in the darkness. Et pour que ton nom soit glorifié. So that your name, Jesus, would be glorified. Alors, Seigneur, que ce matin, chaque cœur soit ouvert. Let every heart be open. Que chaque cœur soit ouvert. Every heart que chaque cœur soit ouvert. Now, in Jesus' name. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut rester debout. Let's stay standing as we Béni soit le nom du Seigneur. Merci Jésus. Just for a few minutes. Merci Jésus. Thank you, Lord. Nous bénissons ton nom Jésus. We bless your holy name Jesus. Ito koreba karaba. Merci Seigneur pour ta fidélité. Thank you for your faithfulness, O God. Jo dabando lo santo koreba. Thank you, my God, for your Merci Jésus. Wonderful Jesus. Jo dabando lo santo brete kito koreba santo lo santo. Sois fortifié mon frère, sois encouragé. My brother, be strengthened and be encouraged today. Malgré le temps qui passe, sois encouragé, sois fortifié. Despite everything that's happening, be encouraged. Dieu a une porte de sortie pour toi. Because God has the exit door for you. Dieu a vraiment une porte de sortie He's pour toi. He's got the exit door already aligned quand, quand for you. Quand on te voit, on peut penser que tu tourneras constamment autour de la même montagne. When we see you, you get the impression that you go around the same mountain. Mais je peux dire la part du Seigneur que Dieu a une porte de sortie pour toi. But I can tell you from the Lord that you have a door, an exit door waiting for you. Donc garde la foi. Amen. Keep the faith. Et persévère. Persevere. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Thank you for your presence, Lord. On va s'asseoir. On va d'abord passer par la parole. Alléluia. And now we're going to jump into the word. Mais le Seigneur voulait encourager ce frère avant. The Lord wanted to encourage our brother just before. Nous allons lire, je bénis le Seigneur pour cette liberté que le pasteur m'a accordée ce matin de pouvoir prêcher la parole de Dieu. I bless the Lord for the pastor that gave me the freedom to preach today. Dans ces conditions, amen. Under these circumstances, thank you so much. Nous allons lire 1, 2... On va lire quatre textes. We're going to be reading four different texts from the Bible. Et nous saluons bien sûr nos internautes qui nous suivent, amen, et que soyez également connectés. Just want to encourage our internet community, stay connected today. À ce que Dieu va faire ce matin, amen. To what the Lord wants to do in your life today. Parce que Dieu veut toucher et ceux qui sont ici. God not only wants to touch the people in this room. Et vous qui regardez. But all of you who are connected. Amen, alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai un titre qui comporte un nom hébreu.
In my title today, I am using a Hebrew word. Le véritable gibor aux yeux de Dieu. And the title is the real gibor in the eyes of God. Le véritable gibor. The real gibor. G-I-B-O-W-R. G-I-B-B-O-W-R. G-I-B-B-O-W-R. Ça se traduit souvent par héros. Often you will see this Hebrew word translated into the word hero. Brave. Brave. Vaillant. Valiant. Fort. Strong. Vous voyez le costaud là. The big guy, the courageous one. Biceps. With the biceps up to here. Mais vous allez voir que notre système de pensée est pollué par le monde. But we will discover today that our mentality has been polluted by the world. C'est pour ça que le thème que Dieu m'a donné, c'est vraiment non pas le gibor, mais le véritable gibor. That's why the title of my message is not the gibor in God's eyes, but the true gibor in God's eyes. Qui est un véritable héros aux yeux de Dieu? So who's this is the question. Who is a true hero in the eyes of God? Ou une héroïne, bien entendu. Or heroine. Quelqu'un veut le savoir? Who wants to know the answer? C'est quand même important de savoir aux yeux de Dieu, non pas aux yeux du monde, parce que quand on vient dans le Seigneur, when we come to the Lord, we want to know what He thinks about it, not what the world thinks. On a notre système de pensée qui est déjà perverti par rapport à certaines perceptions. We come into the kingdom with our mentality already perverted and formatted by certain perceptions. Et quand on parle de héros, on voit le vaillant, le conquérant. So when we use the word hero, for example, we see the valiant conqueror. Celui qui va gagner des villes, celui qui va remporter des batailles. The one who wins all the battles and who conquers all the cities. Oui. Yes or no? Mais, however, ce n'est pas seulement ça. But that's not what this word means. Pour le Seigneur, il y a encore plus grand qu'un tel héros. Because in the Lord's eyes, there's a bigger definition of what a hero really is. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous montrer comment il est important de comprendre cela pour entrer dans sa destinée. And the Lord's going to show us today why it's so important to understand this in order to enter into our destiny. Et vous allez comprendre pourquoi si on ne perçoit pas ce qu'est un héros aux yeux de Dieu, on risque de passer à côté de la grâce de Dieu. And you'll begin to understand why, if you don't understand what a hero is, you may miss out on your destiny. Vous allez comprendre que être un véritable héros aux yeux de Dieu est intimement lié pour être mis en orbite par rapport à sa vocation céleste. Becoming a true hero in the eyes of God means that He will launch you into orbit for your heavenly calling. 1 Samuel 17. We're going to start by reading 1 Samuel chapter 17. On va lire les versets 36 à 37 et 46 à 47. We'll read verse 36 and 37 and then verse 46 and 47. Please follow along in English. Alors bien sûr, c'est un passage que nous connaissons, c'est David qui se retrouve devant Goliath. Now you all know this passage. We're seeing David in front of Goliath. Alors David se retrouve devant Saül et David il arrive, il trouve que tout le monde est caché dans la tente, tout le monde est effrayé par un géant qu'on appelle Goliath. David ne comprend pas ce qui se passe. It starts out when David finds himself in front of the king Saul and he sees that all the other soldiers are hiding and he doesn't know what is going on. Et David il dit mais David ne comprend pas, il y a personne qui peut défier ce gars là. And he says to the king, isn't there anybody who wants to defy this giant? Il voit ses frères des balèzes, il voit des soldats mais balèzes et tout le monde est là peureux. He sees his brothers, they're huge. He sees the other soldiers, they're huge. They have armor and everything. Ne parlons pas du roi Saül, lui il était caché dans sa tente. But along with the king, they're all hiding in their tent. Lui il était vraiment là où je pense qu'on devait le voir le moins là, Saül. And I think Saul was hiding in the place where nobody could find him. Et donc David vient, il se présente devant le roi et il veut lui expliquer que lui il est capable d'affronter cet incirconcis. So here comes David to say to the king, "Hey, listen, I believe I can overcome this giant." Et quand Saül il voit ce jeune adolescent, il dit mais le gars il est malade quoi. And the king says he sees this teenager and he goes, "This guy's nuts."
Et Saül est complètement désarçonné, il comprend pas cette témérité et ce zèle, cette hardiesse de ce jeune homme. And King Saul does not understand why this young man is so courageous and bold. Et David commence à expliquer à Saül pourquoi il peut lui faire confiance. So that's when David starts to tell Saul why he can trust him. Et il lui donne un certain nombre d'arguments pour que le roi comprenne que malgré son jeune âge, il est capable de vaincre cet homme. He's basically explaining to the king why, despite his young age, he is able to defeat the giant. Et ce sont ces éléments qui vont finir par convaincre Saül que, bon, laissons le faire. And what he says is actually going to convince the king to let him try it. Et Saül dit, donc au verset 30, David au verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. So you see, David explained his history and Saul ends up sending him into the battle before the giant. Et quand David se présente face à Goliath, David va dire ces paroles, verset 46 et 47, avant même que la bataille ait lieu. Before this battle, reread verse 46 and 47 in English, please. David dit aujourd'hui. Donc là, il est en train de regarder Goliath droit dans les yeux. Because this is where David is looking Goliath straight in the eyes. C'est-à-dire, David n'a aucune peur dans son cœur, aucune peur dans son âme quand tu regardes cet homme. Which means that David has no trace of fear in his heart when he's looking right at the giant. Ce géant qui fait plus de 3 mètres de haut, et lui qui il est minuscule à côté, une sauterelle. David is like a grasshopper next to this giant who's 3 meters tall. Mais qu'est-ce qui explique qu'un jeune homme, il est capable de regarder un géant comme ça et de lui parler avec beaucoup d'affront? On earth, you explain a young man addressing a giant that size with so much courage and boldness. D'où vient le secret de ce jeune homme pour qu'il soit capable de confronter un tel géant et d'être sûr qu'il va le terrasser? What is the secret of this young man who's not afraid to confront that giant and even declares that he'll defeat him? Pour David, la victoire, c'était même pas un sujet. For David, it wasn't even a question about victory. C'était même pas un sujet. La chose était réglée. It was already a done deal. Dans sa tête, David avait déjà remporté cette bataille. You see, in his mind, David had already won the battle. Quelle que soit la taille de ce géant, David, dans sa tête, avait déjà remporté la bataille. No matter what size the giant was, in his mind, David knew he already won the battle. Annelise, la bataille, la victoire est pour toi. Amen. Annelise, the victory is for you. La victoire est pour toi, quelle que soit la taille de la muraille et de ton géant. Amen. Size giant or wall. Fixe-le droit devant les yeux et dis-lui, je vais te terrasser au nom puissant de Jésus. Focus on that thing with your eyes and tell it you're going to overcome it. D'où vient ce secret, cette assurance? Where does that kind of confidence, assurance come from? Parce que David dit aujourd'hui, oh mince alors, aujourd'hui, l'Éternel, this day, l'Éternel te livrera entre mes mains. Will deliver you into my hand. Non, mais, tu entends Goliath? Do you hear Goliath? Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête. Do you hear me, Goliath? I'm going to kill you today and God will deliver you into my hand. Aujourd'hui, Goliath, aujourd'hui encore, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. I'm going to feed the cadavers of all the other Philistines to the birds of the air. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. The earth will recognize that Israël reconnaîtra has a God. Tout le monde reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Et David finit en disant, il est écrit, toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel. Then David finishes his declaration by saying that
all this assembly will know that the Lord saves not with a sword and not with a spear, for the battle is the Lord's, and he will give this giant into my hands. Il nous livre entre nos mains. Amen. He will give this enemy into my hands. Mais quelle assurance de David. What amazing assurance David. Quelle assurance devant cette difficulté et cet obstacle qui était devant lui. Before this obstacle, this difficulty. Avons-nous également la possibilité d'avoir une telle assurance? Do we have that kind of assurance when we face obstacles? Avons-nous la possibilité de faire face à nos géants et de pouvoir leur parler dans les yeux de la même manière? Are we able to look at the giants straight in the eye and tell them, speak to them in the same way? Pouvons-nous faire face à nos géants qui peuvent être aussi terrifiants qu'un Goliath et lui dire je vais aujourd'hui te terrasser sans aucune crainte, aucune peur dans le cœur? Are we able to look at the giants that are threatening us and say today I'm going to decapitate you? On va quelque part. We're going somewhere with this. Proverbe 16 verset 32. Next we're going to read Proverbs 16 and verse 32. On va se dire mais c'est quoi le rapport? And when you read it, you're going to say, what does this verse have to do with the first passage? L'Esprit de Dieu va nous le dire. And the Holy Spirit is going to reveal something powerful to you. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Did you notice what it said? He who is slow to anger is better than a hero, and he who rules his spirit is better than the one who conquers a city. La traduction que Catherine vient de donner en anglais, c'est celle qui est la plus fidèle au texte original. Il s'agit de celui qui est capable de gouverner son esprit. We're talking about someone who is able to govern his own spirit. Car il s'agit effectivement là de celui qui est capable de se gouverner lui-même. We're talking about somebody who can govern or master their own soul. Celui qui est capable d'avoir une autorité sur son esprit, donc a fortiori sur son âme, donc a fortiori sur sa chair. The person who is able to dominate his spirit, which will thereby dominate his soul and consequently dominate the flesh. Dieu dit, celui-là, oh là, celui-là, il vaut mieux que le héros qui gagne les villes. That person who's able to dominate himself is better than a hero. Proverbe 25, verset 28. We're going to look at Proverbs 25 and verse 28 now. Read it along in English, please. Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. The man who's not a master of himself is like a city without walls. Une ville forcée. Le mot qui est utilisé ici, c'est le mot paratz. Paratz. The Hebrew word in this verse is paratz. C'est-à-dire, paratz, ça veut dire une ville au travers desquels on a réussi à faire une brèche. And it's talking about a city that might have started out surrounded, but they were able to get a break in the wall. Une ville où on a trouvé les failles et par lesquelles on a pu pénétrer. In other words, a city where they found the weak point and were able to penetrate. Et il est dit que une ville forcée et sans muraille. Et là, muraille, c'est le mot chomar. And the Hebrew word for wall around the city is the word shomar. C'est-à-dire, c'est le mur de protection. C'est la muraille de protection. It describes the wall that surrounds and protects a city. Il est dit, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. C'est-à-dire, la Bible nous explique là que celui qui ne peut pas se gouverner lui-même, celui qui ne peut pas gouverner son esprit. The Bible is telling us that the kind of person who is unable to govern their own spirit, celui qui ne peut pas gouverner, maîtriser sa personne, cannot master their personality, il est exactement comme une ville au travers de laquelle une brèche a été taillée et dont la muraille de protection a été abattue. That person is like a city whose walls have been penetrated and will be conquered. Vous m'entendez? Do you hear what I'm saying? Vous savez que à l'époque, les villes étaient entourées d'une muraille de protection pour éviter que les ennemis ne viennent saccager la ville. You know, in those days, every city had a wall around it to protect it and keep the enemies out. Et c'est pour ça d'ailleurs que
Néhémie avait très à cœur de rebâtir la muraille de Jérusalem. That's why Nehemiah had it very much on his heart to reconstruct the walls that had broken down around the city of Jerusalem. Parce que la muraille n'était pas une œuvre d'art pour faire joli, pour faire beau. You know, the wall around a city is not just a piece of art. C'était le chômage. It is the chômage or the protection. C'était le mur de protection. The thing that surrounded the city to protect it. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, quand on lit Josué, la conquête de Canaan. When you read the book of Joshua and see all the battles in order to win the promised land of Canaan. Vous savez que la Bible parle également par révélation. You know, the Bible talks through revelation. Et vous savez que vous, moi, la personne que nous sommes, je suis un Canaan. And you and I, we, the people that we are, is the Canaan. Tu es un Canaan. You are a Canaan, a promised land. Tu es comme une ville. In other words, you're like a city. Tu es un Canaan, toi aussi. You're a piece of land, a Canaan land. Tu es un territoire. You are a territory. Tu es un territoire. Le Canaan à l'extérieur est le reflet du Canaan que tu es en tant que personne. And the Canaan that you see on the outside is simply a reflection of the Canaan that you are on the inside. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans sa grande sagesse, il nous parle du chômage qui doit protéger, non pas cette ville que tu vois au loin, cette ville que tu vois au dehors, mais la ville que tu constitues. Tu es un Canaan, tu es un territoire. Et autant que territoire, tu dois mettre un chômage autour de toi. That's why the Lord is speaking to you today and comparing you to a city around which you need to have solid walls that are impenetrable. En tant que chômage, tu dois éviter les parats, c'est-à-dire les brèches que l'on veut tailler sur ta muraille. And as a chômage, the wall, you have to avoid the breaking in, the breakthroughs from the enemies in your wall. Tu es un Canaan et ton chômage doit être suffisamment blindé pour éviter les parats, les brèches que l'ennemi va chercher à tailler. You are a Canaan and you need to be sufficiently solid in your protection so that no breakthroughs from the enemies will occur. Et vous savez, tout le monde veut conquérir des villes. You know, everybody goes out to try to conquer cities. Tout le monde veut terrasser des géants. Everybody wants to kill and knock down the giants. Tout le monde veut voir la gloire de Dieu. Everybody wants to see the glory of God manifested, right? Mais vous savez, pour Dieu, la plus grande des conquêtes, retenez bien ça, la plus grande des conquêtes, c'est la conquête de soi. But keep this in mind, the most important conquest that you can ever have in your life is when you conquer yourself. La plus grande des conquêtes, gravez ça dans le marbre, la plus grande des conquêtes, c'est la conquête de ta personne, de toi-même. That is the greatest victory you could ever have, being able to master yourself. Et tu as beau te convaincre de toutes sortes de pensées, si tu ne peux pas conquérir ton territoire que tu constitues, tu ne pourras jamais conquérir Canaan à l'extérieur. You can try to convince yourself all you want, but if you cannot master your own being, then you are not like a hero in God's eyes. Parce que Dieu dit que si tu n'arrives pas à faire cela, si tu n'arrives pas à gouverner ton esprit, ta muraille est ouverte. If you are unable to dominate your spirit, the wall is broken down. Your protection is broken. Et des parades, des brèches transpercent ta muraille. And the enemy can penetrate. The enemy can come in. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bless the Lord. Vous savez, lorsque David est arrivé devant Goliath. When David got to Goliath. Il avait une telle assurance. He had so much confidence. Souvenez-vous que ce qui a convaincu Saül d'envoyer David, c'est quand David a raconté son histoire. Remember, what was the thing that convinced King Saul to send David to kill the giant Goliath? It was when he told him his history, his story. Quand David lui a dit, tu sais, roi, moi, j'ai déjà vaincu l'ours et le lion. When David told him, you know my king, I've already conquered the lion and the bear. Donc lui, je vais le vaincre. So, I know I can conquer this giant. Vous savez, vous ne pouvez pas vaincre Goliath si vous n'avez pas d'abord vaincu les lions
et les ours de vos vies. You know what? You'll never be able to conquer Goliath if you haven't already conquered the bears and the lions in your life. Écoutez bien, vous ne pouvez pas vaincre Goliath si vous n'avez pas vaincu tout au long de votre temps de préparation avec Dieu l'ours et le lion. You will be unable to conquer the giant if you haven't recognized how God's been preparing you all along by getting you to conquer the lion and the bear. Goliath a ceci de particulier qu'il n'est pas un ennemi comme les autres. Goliath was not like any other enemy. Goliath, dans notre parcours avec le Seigneur, n'est pas un ennemi comme les autres. And our Goliath in our walk with the Lord is not like any other enemy that we'll face. Goliath est comme Sion ou Og. Goliath is like Zion or Sion ou Og. Or Og. You know those names in the Bible. Après. I'll explain. Ou comme les fils d'Anak. Or like the sons of Anak, all giants. C'est-à-dire un ennemi dont la victoire sur lui va vous catapulter sur votre destinée. Goliath is an enemy that once you have conquered him, you will be catapulted into your destiny. Il y a des ennemis que vous pouvez vaincre. Amen. Now you can have all kinds of little enemies along the way. Et il y a le Goliath, quand vous allez le vaincre comme David, il va être comme un tremplin qui va vous mettre sur orbite. But one day when you confront your Goliath, that will be the point where you are propulsed, catapulted into ce your destiny. Ce géant énorme devant vous dont vous avez l'impression que mais jamais vous allez vous en sortir. You're going to see this huge giant and you're going to think, how am I ever going to conquer this guy? Mais c'est le fait de vaincre ce géant là qui va vous propulser d'une manière particulière en orbite. But that is the precise thing that will catapult you into the orbit of your destiny. Quand Israël avançait, quittait le désert pour entrer dans la terre promise. When Israel left Egypt to enter into the promised land, the wilderness to enter. Sion et Og étaient un type de Goliath. Sion and Og were a type of Goliath. Parce que c'était la conquête du territoire mais à l'est du Jourdain. This was the part where they had the territory that they had to conquer on the east side of the Jordan. Parce qu'il y avait un territoire à l'est du Jourdain. There was first a territory to win on the east side. Et il y avait une autre partie du territoire à l'ouest du Jourdain. But then the rest of the promised land was on the west side. On connaît bien le territoire à l'ouest parce que la première conquête a été Jéricho. We know the part on the west side because the first city they conquered was Jericho. Mais avant la traversée du Jourdain, il y avait également la Transjordanie. Là également, il fallait conquérir ce territoire. But even before crossing the Jordan, on the east side was where Jordan is today, other enemies that they needed to conquer. Et là, les maîtres, c'était Sion et Og, entre autres. And among those enemies were Sion and Og. Et le Seigneur, Israël, Dieu a permis qu'Israël terrasse ce type de Goliath. Amen. And God allowed Israel to conquer, first of all, those enemies. Et c'était une percée, paf, pour traverser le Jourdain pour l'étape suivante. And that was the breakthrough they needed to go across the Jordan and enter into the next phase. Un autre Goliath, c'était Jéricho, bien entendu. Another Goliath was the city of Jericho itself. Les murailles de Jéricho qui étaient réputées infranchissable, impossible de les renverser et de les transpercer. At the time, the walls surrounding Jericho had the reputation of being impenetrable. Un autre type de Goliath et la percée, le fait de vaincre ce Goliath, Jéricho, propulsait Israël encore dans une nouvelle dimension de sa destinée. And in the same way, conquering the city of Jericho catapulted Israel into a new level of their destiny. Et ainsi de suite, vous avez après les fils d'Anak. The next ones they encounter, you'll see the sons of Anak. Dans la terre promise elle-même. Right there, in the promised land. Vous savez, ceux que les espions voyaient comme étant des géants et eux, des sauterelles. You know, that's where the 10 spies they went over and they saw these giants and they saw themselves as tout cela, ce sont des types de Goliath dans notre vie que nous devons terrasser pour que quelque chose se passe et que nous passions d'un niveau à un autre niveau beaucoup plus excellent. So all of these are examples of the kinds of enemies that you and I need to conquer in order to be catapulted into the next level of our destiny. Pas simplement une petite marche supplémentaire, mais véritablement être catapulté. It's not talking about just taking a little step forward. No, we're talking about being catapulted. Comprenez maintenant la pensée de Dieu. Mais David, avant d'arriver devant Goliath,
Goliath qui devait faire de lui, qui devait le propulser, mais pour la royauté. Le jour où David a été propulsé pour la royauté, paf, c'était quasiment presque ce jour-là. Try to see God's heart on this. The day that David confronted Goliath was the day when he was actually being propelled into the role of king. Mais ce qui s'est passé, il fallait que David soit prêt le jour de la bataille contre Goliath. But here's what happened. David needed to be ready for the day of battle against Goliath. Es-tu prêt le jour où tu rencontres Here's Goliath? My question to you. Are you ready for your Goliath, for your day of battle? Es-tu prêt le jour où tu dois vaincre ton Goliath pour que Dieu te propulse dans une autre dimension? Are you ready for God to be catapulting you into the next level of your destiny? As-tu vaincu l'ours et le lion? Have you already defeated the lion and the bear? C'est-à-dire tous ces combats tout au long de notre vie, et je vais en cibler un particulier. Realize this, every single battle that you have had in your life contributes to your preparation, and I'm going to give you one example. Dont l'objectif est que le jour de la bataille, tu sois prêt. The whole goal is that you'll be ready for the day of the big battle against the giant. Que tu ne manques pas de poids ce jour-là. And so that you won't be a lightweight in front of the giant. Et parmi ces ours et ces lions. Now, among the lions and the bears, il y a ce que nous avons vu tout à l'heure, la capacité à gouverner notre personne, notre esprit. We face those enemies in order to learn how to dominate our spirit. Amen. Amen. Vous savez, ce que je suis en train de vous dire, c'est traduit dans le fruit de l'esprit de Galates 5. Là, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, par un fruit de l'esprit. Now, up until now, we've been in the Old Testament, but what I'm actually saying to you translates into the fruit of the Holy Spirit in Galatians 5, 22 and 23. Vous savez, on voit toujours l'onction, gloire à Dieu. We love the anointing, glory to God, don't we like it? On voit peu le fruit de l'esprit. However, we rarely see the fruit of the Holy Spirit. Et cette capacité à gouverner notre personne, notre esprit, c'est la maîtrise de soi. This ability to govern your spirit in that list of Galatians is called self-control in English. La maîtrise de soi. Self-control. Parce que Dieu nous enseigne que quand ce fruit de l'esprit n'est pas développé. When the fruit of the spirit is not developed in our lives. Quand il y a de la colère, des colères, quand il y a de l'emportement. For example, when you get frustrated, you get angry. Nous sommes en train de perdre la bataille devant l'ours et le lion. You're actually losing your battle in front of the lion or the bear. Parce que parmi ces ours et ces lions, une grande bataille qui a été citée ici dans Proverbes 16, 32 et 25, 28, c'est la capacité à gouverner son esprit, la maîtrise de soi. Among the lions and the bears that you'll face is the very thing we read about in those Proverbs at the beginning, this ability to dominate your spirit. Nous avons vu dans le livre de Proverbes que la particularité de ce fruit de l'esprit, la particularité de cette grâce, The particular thing about the fruit of the Holy Spirit, of this grace, c'est que quand on n'a pas la victoire, le chômage a des brèches. Is this, when you don't see the victory in those areas of your life, the wall of protection has an open gap. Et ces brèches donnent accès à toutes sortes d'ennemis. And that gap is what gives access to the enemy. Peur, crainte. It could be fear. Manque de courage. It could be découragement. Lack of courage, discouragement. It could manque be de hardiesse, manque de zèle. Lack of boldness, manque de lack feu, of passion, manque de passion, lack of zeal, lack of
fire. Incapacité de tenir devant ce géant parce que nous allons tout de suite être paralysés par la peur et par la crainte. Or simply the inability to act in front of the giant because you're paralyzed with fear. Pourquoi? Parce que le lion et l'ours, nous n'avons pas pu les vaincre pour qu'au jour du Goliath, nous puissions le fixer les yeux dans les yeux sans avoir peur. Simply because we didn't conquer the lion and the bear, we would be unable to look the giant in the eyes. Mais les enjeux sont énormes. Amen. And this is why it's so important for each and every one of us. Parce que j'ai dit que Goliath est un ennemi particulier. I said Goliath was a very special, very particular enemy. Goliath, le fait de vaincre Goliath nous propulse vers la destinée, nous met en orbite. When you conquer your Goliath, you are catapulted into your destiny. Donc le fait de vaincre l'ours et le lion, le fait d'arriver à cette capacité de dominer son esprit, le but, c'est de pouvoir être à la hauteur le jour de la grande bataille. So the goal of being able to conquer that giant in your life is to be ready to be catapulted into your destiny. Amen. 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 Et voilà pourquoi David pouvait avec une pleine assurance dire Goliath, la bataille est terminée. And that is why David was able to say with so much confidence to Goliath, it's over. Goliath, tu es déjà vaincu. You have already been conquered, Goliath. David avait cette pleine assurance parce qu'il avait été forgé. David was so confident because up until then he was prepared, he was forged to become what he was. On peut prendre le piano. Il était préparé pour ce jour J. Amen. He was ready to meet the giant on that day, well beforehand. Mais on va se dire, mais mince alors Seigneur, mais cette maîtrise de soi, un tel enjeu. Vous savez, quand on ne se maîtrise pas, vous savez, les colères, c'est dévastateur. You know, when you have not learned self-control, you will discover that anger can totally devastate your life. Vous savez que même sur le plan scientifique, even proven scientifically, le fait de ne pas pouvoir se maîtriser en permanence nous crée de véritables troubles. The lack of ability of self-control will always hinder you. Parce que le contraire de la maîtrise de soi, c'est l'emportement, c'est les colères. Amen. What's the opposite of self-control? You're going to be controlled by something else. Anger or frustration. Vous savez ce que dit la science par rapport aux effets de la colère dans le corps physique? Do you know what science says about the effects of anger in your physical body? Je vais vous lire ça, ça va vraiment nous interpeller. Amen. I'm going to read you something and I believe it'll speak to many of you. Donc l'impact n'est pas simplement au niveau de notre esprit. L'impact est également réel au niveau de notre corps. The impact of anger is not just something in your spirit, also it's in your body. Les accès de colère fréquents peuvent détruire, ça c'est un texte scientifique. Les accès de colère fréquents peuvent détruire l'organisme à petit feu. Frequent outbursts of anger can destroy your physical body little by little. À force de mettre le corps en surtension et en surrégime, elle est extrêmement énergivore pour l'organisme et le cerveau. When your body is constantly under that pressure, that tension of anger, it's consuming all of the energy that you're trying to. Lorsqu'elle est ressentie fréquemment, violemment et de manière non adaptée, la colère peut développer des hernies. When this anger manifests regularly, violently, in a manner that is inappropriate, it can even create like hernia. De l'urticaire, du psoriasis, de l'asthme, skin des douleurs dans le bas du dos. Asthma, back pain. JD, scientifique, c'est pas toi que je vais apprendre ça, n'est-ce pas? Hey, you're a therapist, so you know what I'm talking about. À terme, dans d'autres problèmes plus sérieux peuvent apparaître chez ces personnes. Even other more serious problems can be produced in your body. Elles ont plus tendance à souffrir de maladies cardiovasculaires, de problèmes cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux. You can have heart problems or strokes. Hypertension, etc. High blood pressure, all these symptoms could be the result of mastered, uncontrolled anger. Les colériques chroniques s'exposent aussi davantage aux ulcères.
And if you're frequently in anger, you could easily get ulcers. Quel programme. Whoa, it does a lot of damage. Honnêtement, ça m'intéresse pas. I don't want to have these things happen to my body. La colère, l'absence de maîtrise de soi est une œuvre de la chair, parce que autant la maîtrise de soi est le fruit de l'esprit, est un fruit de l'esprit, autant les colères, les emportements sont les œuvres de la chair. Violent anger is a work of the flesh, just as much as self-control is a work of the Holy Spirit. J'ai pas dit des esprits démoniaques. I didn't even say demonic spirits, demons. We're not talking about that today. Vous lisez Galates 5. Read Galatians 5 when you're home today. À partir de verset 19. Starting from verse 19, you will see. Vous allez voir la liste des œuvres de la chair. There's a whole list of the works of the flesh. Et parmi les œuvres de la chair, il y a les colères. And believe it or not, in that list is anger, unbridled anger. Il n'est pas question des œuvres des esprits démoniaques. It's not even talking about demonic attacks. Qui bien sûr vont profiter de l'occasion. But the demons can take advantage of Mais your il est question carnal, des œuvres de la chair. The works of the flesh. Et au verset 24 de Galates 5. In Galatians 5, verse 24. Parce qu'on va dire, oh Blondel, mais alors, mais il faut qu'on me délivre, il faut chasser cet esprit. Because this is what happens. Everybody comes, Blondel, I need to be delivered from anger. We need to banish those spirits, cast out those spirits. Wait a minute. Vous savez ce qu'il nous est dit dans Galates 5, 24? You know what it says in Galatians 5, 24? Ceux qui sont en Jésus-Christ. Those who are in Christ Jesus. Ont crucifié la chair. Have crucified the flesh. Avec ses passions. With its passions. Et ses désirs. And its desires. Vous ne trouvez pas extraordinaire que Paul reste dans la même pensée, c'est-à-dire dans Galates 5, il commence par les œuvres de la chair, Galates 19, il passe par le fruit de l'esprit, étonnamment, pour vaincre les œuvres de la chair, il finit au verset 24 par la solution, la crucifixion de la chair. Don't you think it's amazing how Paul in Galatians 5 starts with the works of the flesh, talks about the fruit of the Holy Spirit and finishes up with the work of the cross, being crucified in order to be pleasing to God. Paul ne dit pas là que je vais exercer la délivrance sur vous, bien que si votre cas est grave, il y a telle manipulation maintenant démoniaque qu'il va falloir aller beaucoup plus loin. Mais là, Paul dit la croix. Paul doesn't even talk about casting out demons or being delivered from whatever. He is only talking about the power of the cross and the crucified life. Est-ce qu'on peut se lever? Let's Paul stand dit up together. La croix. God, Paul is talking about the cross, friends. Paul dit la croix. The cross. Paul dit que la seule solution c'est de passer par la croix. Paul is very clear. The only solution is to go through the cross. La seule solution pour vaincre l'ours, le lion, c'est pas simplement des grosses proclamations, c'est la croix. The only solution to conquer the bear and the lion is not just making great declarations, it is living the crucified life. Pour être prêt, pour livrer la bataille. Being ready at any time to face the battle. Pour que nous ne soyons pas paralysés par l'incapacité de dominer notre esprit face à Goliath. In order that we won't be paralyzed when we see the giant. We've already learned to dominate the flesh. Il faut que nous soyons passés par le lion, la victoire sur le lion et l'ours au travers de la croix. That is what the victory will require. We'll have to first dominate the lion and the bear. C'est uniquement à ce moment-là que nous allons développer, peu à peu développer la capacité de dominer notre esprit et de pouvoir tenir devant notre géant. The only way to develop the capacity to master your spirit and to confront the giant is go through the cross. Il n'est pas prévu que nous tremblions devant les géants de nos vies qui veulent nous empêcher d'arriver à destination. We're not meant to be trembling with fear every time we meet the giant that is trying to hinder us from fulfilling our destiny. Est-ce que ça veut dire que la peur ne va pas monter?
Does that mean we won't have fear ever at all? Bien sûr que non. No, of course not. Mais ce parcours de la croix par le Saint-Esprit nous donne la capacité de dominer cet esprit de peur, de crainte. But by the Holy Spirit, this way of the cross teaches us to overcome fear. Vous croyez que David, quand il a vu Goliath, il n'y avait pas un petit quelque chose au fond de lui? Don't you think David was kind of a little bit on the inside facing this giant going Bien sûr qu'il y avait un petit quelque chose. Of course, there was a little bit of something in his heart. Bien sûr que quand il y a un géant énorme devant nous, il y a quelque chose qui ressemble à de la peur, de la crainte qui veut nous envahir. Of course, it's normal to detect a little bit of fear on the inside that wants to invade your heart when you're facing a giant. Mais c'est notre capacité à avoir vaincu le lion et l'ours par la croix qui nous permettra de pouvoir vaincre cette peur et de regarder cette situation, dire je vais te vaincre, je vais arriver à l'autre côté. But when you've conquered the lion and the bear, passing through the cross, you will be ready for the day to look that giant in the eye and say, I will overcome you. Est-ce qu'on est prêt à vaincre? Are you ready to overcome? Est-ce qu'on est prêt à vaincre le lion et l'ours? Are you ready to conquer the lion and the bear? Est-ce qu'on est prêt à passer par la croix? Are you ready to live a crucified life? Est-ce qu'on est prêt à être capable à gouverner notre propre personne? Are you ready to dominate your own spirit? Est-ce qu'on est prêt à dominer à gouverner notre esprit? Are you ready to govern your innermost being? Parce que notre esprit, c'est le vrai nous. You know, your innermost being, your spirit, is who you really are. Le vrai nous, c'est notre esprit. That's the real you, your spirit. Donc, on aura une influence directe sur notre âme. Which will have an influence on your soul. Et sur notre chair. And by consequently, on your flesh. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? On peut lever les mains. Let's close our eyes, lift our hands, and start to pray in the Spirit all together. Prions par l'Esprit. Let's pray, let's pray. Lift your voices. Pendant que le groupe de louange nous fait rentrer doucement dans un temps de louange, doucement. Chota bande les brete kita. Mana mana, merci Jésus. Thank you Jesus. Bande ke bakabaroko. Seigneur, nous nous repentons. Lord, today we repent. Demandons pardon au Seigneur. Let's each of us ask forgiveness. Pardon pour les colères. For anger. Pardon pour les emportements. For frustration. Pardon pour les rages, pardon pour les fureurs. For rage, fury. Pardon pour les excès de colère. Violent anger. Pardon pour les œuvres de la chair. The works of the flesh. Pardon pour l'incapacité, Seigneur, à dominer notre esprit. This inability to govern our spirit. Pardon de ne pas avoir su vaincre l'ours et le lion jusqu'à présent. Forgive us for not being able to conquer the bear and the lion. Pardon de ne pas avoir compris que l'ours et le lion n'étaient qu'une étape. Forgive us for not understanding that that was only a phase. Avant de terrasser Goliath. Before encountering Goliath. Et d'être propulsé dans ma destinée. And being catapulted into my destiny. Seigneur, pardon. Forgive me, Lord. Aujourd'hui, demande-lui pardon. Ask him yourself today. Aujourd'hui, Seigneur, demande-lui pardon. Ask him Seigneur, for forgiveness. Pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, nous avons compris aujourd'hui l'importance de la maîtrise de soi. We have understood today the importance of self-control. Mama, mama. Aujourd'hui, c'est le jour de la restauration. Today is the day of restoration. Aujourd'hui, c'est le jour de la transformation. Today is the day of transformation. Aujourd'hui, c'est terminé les colères. Today, anger comes to an end. Aujourd'hui, c'est terminé les peurs. And a fear comes to an end. Aujourd'hui, nous sommes prêts à vaincre le lion et l'ours pour Goliath demain. Today, we're ready to conquer the lion and the bear in order to confront the giant tomorrow. In the mighty au name nom of de Jesus. Jesus. Au nom de Jésus. Jesus' name. Chota bando lo corribi carabassonto tose. Chikabarete ka. Continuons à prier. Let's keep praying, brothers and sisters. Merci Jésus. Mando lo sento. Bénis ta présence. Nous bénissons ta présence, Saint-Esprit. Bénissons ta présence, Saint-Esprit. Thank you for your work. Mando le son, nous bénissons ta présence, Saint-Esprit. Oh, we love your presence. We cherish nous bénissons your ta présence. Chuka baba barondo kura basonto to sente bishanta. Tida bando le corri di kara basonto. Chuta bando le sente te brete tita kara basonto.
le Seigneur est fidèle, ma sœur. My sister, listen. God is faithful. Your Lord is faithful. Bien que ça devienne de plus en plus difficile actuellement, even if it becomes more and more difficult, Dieu te dit, tiens bon, tiens ferme. Is saying, stand firm. Ne le regarde ni à gauche ni à droite. Don't look to the right or to the left. Ne regarde pas les solutions proposées Don't à gauche et à droite. Look at the solutions people ne regarde are trying to propose to you. Keep your eyes Car on me. Car ma promesse est certaine. My promise is true. Ma promesse est certaine. My promise is certain. Mes plans sont droits. My plans are righteous. Mes plans ne sont pas sur les chemins de traverse. My plans are not going to lead you across the path. Sois vigilante à cette séduction par laquelle l'ennemi veut te faire passer par un chemin de traverse, ma sœur. Be watchful regarding the enemy's plans. Dieu ne t'a pas oublié. God has not forgotten you. Alors ne pense pas à cette solution, te dit ton Dieu. Don't look at those other solutions. Fidèle. Because I am the faithful God. Je suis fidèle. I am faithful. Il essuie tes larmes, t'inquiète pas, Dieu est bon, Dieu est fidèle. God will wipe your tears and don't worry about anything, he's faithful. Mon frère, ne te sous-estime pas. Toi où c'est marqué pool and beer sur ton t-shirt. Joshua, we're looking at your t-shirt. Don't underestimate yourself, brother. Ne te sous-estime pas. Don't underestimate yourself. Tu as de la valeur devant Dieu. You have a lot of value in the eyes of the Lord. Aie confiance en toi. So, have confidence in yourself. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu, mais aie d'abord confiance en toi. Have confidence in yourself. Tu as le sentiment que les grandes choses, c'est pour les autres. Non, c'est également pour toi. You have the impression that great things are for other people. No, they're also for you. Et le Seigneur veut transformer tout ton système de pensée. And the Lord wants to transform the way you think about yourself. Pour que tu ne te vois pas comme le plus petit de tous. So that you don't see yourself as the youngest, the smallest of all. Mais tu sais que David, bien qu'il était le plus petit de tous. You know, David himself, he was the youngest of all the brothers. C'est celui que Dieu avait vu. He was the smallest, but God is the one that saw him. Parce que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Because God does not look at what man looks at. Alors prends confiance en toi. Amen. So just be Seigneur, confident in yourself. Father, I bless your son today. Je prie Seigneur pour que tu renouvelles son système de pensée. Renew his way of thinking. Et que tu lui permettes de se voir tel que toi tu le vois. Allow him to see himself as you see him. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Sois encouragé, sois béni. Be blessed, be encouraged. C'est le Dieu de la percée. I'm the God of the breakthrough. Tu comprends? You understand? Même si le mur est difficile à pousser. Even if the wall is hard to push over. C'est le mur de la percée. It is. C'est le Dieu de la percée. The God of the breakthrough. Amen. 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 Ruby, il m'y va arriver ce Dieu. Tu te dis, mais il est où là? Where is he? Where is my God? You've been saying. Mais Dieu te dit, je viens, ma fille. I'm coming, my daughter. Ne doute pas dans ton cœur, je viens. Don't doubt in your heart. Je I'm coming. I'm coming. Il y a des choses que tu ne peux même pas exposer, dire à Dieu tellement. There are things that you can't even express to the Lord. Tellement ce que je vois, tellement tu ne trouverais même pas les mots pour expliquer ce qui est au fond de ton cœur. I see them in your heart, but you can't even find the words to express them. Mais Dieu te dit, je vois les profondeurs de ton cœur. But God says, I see the depths of your heart. Je vois cette douleur au fond de ton cœur et je viens pour te guérir. I see the pain in your heart and Seigneur, I come. Seigneur, merci pour la guérison, now, la restauration. Thank merci you for healing, tu viens restoration. Sur ta fille dans le nom puissant de Jésus. Now you touch Seigneur, your daughter, you bless nous proclamons une saison we nouvelle declare a new season. Sur sa vie, sur son âme, new season sur in son her life. Cœur. In her heart, au nom puissant de in Jésus. The mighty name of Jesus, au nom puissant de in Jésus. The mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Mighty name of Jesus. Shota Bandolo Sondo. Fortifie ton chômage, mon fils, te dit le Seigneur. Strengthen your wall, your chômage, my son. Fortifie ton chômage. Strengthen the wall. Chaudaban de la Sainte. Car beaucoup veulent te voler. Many want to come and steal from you. Ils veulent te voler. Ils veulent te They voler ce qui t'appartient. What belongs to you. Parce que comme ils ont pu faire des petites parades. Because they've been able to make the gaps. Ils veulent te voler, mais nous disons dans le nom puissant they de Jésus qu'ils ne prendront rien. But they will not take what parce que tu rebâtis la muraille comme la muraille Because de Jéricho. You are comme Néhémie a bâti wall, la muraille de Jéricho. The same way Nehemiah tu rebâtis did. Le chômage autour You're de toi. Going to reconstruct Seigneur, merci de ce que protection. Tu libères la puissance du Saint-Esprit Thank sur ton you for fils the power of the Holy Spirit on your et la grâce son right de l'architecte, la grâce du bâtisseur a builder pour reconstruire le chômage. To rebuild a wall. Alléluia. Thank you, Jesus. Pour fermer les brèches. To close up the gaps.
et récupérer ce qui lui appartient. And recover what was dans taken le nom puissant de in the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de in Jésus. The mighty name of Jesus. Man de Koriba, prions par l'Esprit. Let's pray in the Spirit, brothers and sisters. Je suis capable de le croire. Merci Jésus. Mama mama soko, béni soit le nom du Seigneur. Kitaba Koriba Shanta Tabandolo Sukara Barabayete. Mama mama masoko tikaba shanta. Ma sœur, Dieu va te montrer la direction. My sister, the Lord is going to show you the direction. Tu as besoin d'avoir une direction du Saint-Esprit. You need some clear direction from the Holy Spirit. L'Esprit de Dieu va te montrer le chemin que tu dois prendre. Amen. And the Lord, the Spirit of God is going to show you the path to Parce take. Parce qu'il ne laisse pas ses enfants dans la confusion. He doesn't leave his children in confusion. Attends-le. Il va te parler. Wait Amen. Upon him because he will speak to Il you. Il va te parler. Amen. He will show you. Dieu va guider tes pas. And he will guide your steps. Au nom puissant de in Jésus. In the mighty name of Jesus. Merci Jésus. Mandili bi kondolo sente brioso. Mama mama so. On peut lever nos mains. Let's raise our hands and worship him. Worthy are you. Mama mama so. Worthy are you. Merci Jésus. Reçois la grâce de Dieu, reçois le toucher de l'Esprit receive ce matin. Receive the touch of the Holy Spirit, receive the grace of God now. Reçois le toucher de l'Esprit ce matin. Receive the touch of the Holy Spirit. Corabasonto lo sed. Disait Dieu te propulse. God is catapulting you. Tu es à l'étape suivante de la personne catapultée. You're getting into the next step, the very next step of being catapulted. Tu n'es plus face aux géants, tu es catapulté. You are beyond the giants. You've already seen them. You're beyond now. You're catapulted Merci beyond Jésus. Them. Merci Jésus. Recevons la grâce de Dieu. Now let's all together raise our hands and receive the grace Recevez of God. Recevez le toucher de l'Esprit ce matin. Receive the touch of the Holy Spirit, even you at home, connected by internet. Recevez la grâce de raise Dieu ce matin. Raise your hands wherever you are, right now. Pour être capable de dominer sur votre territoire. The grace to dominate your promised land. Celui de votre personne. Your own person. Dans le nom de Jésus. Your own being. Dans le nom de In Jésus. The name of Jesus. Yannis, je veux te faire voir plus loin, mon fils. Yannis, I'm going to help you see further. Je veux lever ton regard pour que tu regardes beaucoup plus loin. I'm going to lift up your eyes so that you can see further than you ever have before. Ne limite pas ta vision, te dit ton Dieu. Don't limit your vision, says the Lord your God. Regarde beaucoup plus loin. Start to look further. Car j'ai beaucoup plus. I've got so much more. Ne te limite pas au nom de Jésus. Do not limit yourself. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Béni soit Seigneur, béni soit le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je prie pour un nouveau départ dans la vie de tes enfants. Father, I pray for a new beginning in the life of your children. Seigneur, aujourd'hui, que chacun reçoive la grâce de vaincre l'ours et le lion. That every single person would receive grace now to conquer the lion and the bear and be ready to face the giants. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. In the mighty name Au nom of de Jesus. Jésus. Thank you, Father. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Jésus. Thank you, my God. Merci Jésus. Bless you, Jesus. Béni sois-tu, Seigneur. Thank you. Bénissons ton nom. Thank you. Merci Jésus. Au fond, est-ce que vous êtes un couple au fond? Au fond? Ah si oui. Vous êtes ensemble, c'est un couple? Vous êtes ensemble? Non. À toi, mon frère, Dieu dit, il est le Dieu qui envoie le secours. Amen. God is saying, my brother, I'm the God who sends help. Tu sais, comme David, je lève les yeux vers les montagnes. As David said, I lift my eyes to the mountains for where je lève les yeux vers les montagnes. My help. D'où me viendra le secours? From where comes my help? Le secours me vient de l'Éternel. My help comes from the Lord. Qui a fait les cieux et la terre?
who is the creator of heaven and earth. Amen. Amen. Merci Jésus. Seigneur, je prie pour que tu rencontres ton fils au nom de Jésus. Jesus, come and meet with your son. Je prie Seigneur pour une plus grande révélation de ta part. I pray for a greater revelation of who you are. Je prie Seigneur pour que tu le montres qui tu es véritablement. Show him who you really are. Le Seigneur de sa vie. The Lord of his life. Le Sauveur de sa vie. The Savior of his soul. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour et ta fidélité. Oh Lord, we bless you for your love and your faithfulness. Nous bénissons Seigneur tout ce que tu as fait au milieu de nous. We bless the amazing work you've done in our midst today. Et nous croyons que tu nous rends capables de vaincre tous nos géants et tous nos défis. We believe with all of our hearts that you make us able to conquer every challenge and every giant. Seigneur, tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Without you, we can do nothing. Mais avec toi, nous accomplissons des exploits. But with you, we shall do exploits. Seigneur, merci pour la transformation de notre système de pensée. Thank you for renewing our way of thinking. Et nous voulons être les véritables gibbors à tes yeux. We want to be the real, true gibbors, heroes in your eyes. Les véritables héros à tes yeux. Heroes in your eyes. Non pas ceux qui remportent des villes. Not those who conquer cities. Pas simplement ceux, Seigneur, qui terrassent des géants. Not just those who cause giants to mais fall. Ceux qui arrivent à gouverner leur esprit. But those who are able to govern themselves. Afin de vaincre. In order to govern. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies. So that your name would be glorified in our lives. Au travers de notre destinée. And through our destiny. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen.